Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous présenter l'ouvrage Thermodynamique chimique de Beignet et Jacques Nesplette. C'est un recueil d'exercices et de problèmes résolus. Il regroupe 48 problèmes et il est destiné aux classes préparatoires et au premier cycle universitaire. Cet ouvrage des éditions Bréal est de 198 pages. Thermodynamique chimique, exercices et problèmes résolus de Beignet, Jean-Pierre Beignet, professeur en classe préparatoire agrégée de l'université, et Jacques Nesplette, maître de conférence à l'université Lyon 1. C'est un nouveau ouvrage des éditions Bréal. L'avant-propos des auteurs et le sommaire. Donc cet ouvrage est constitué de 6 chapitres. Premier, grandeur thermodynamique réactionnelle, la calorimétrie, la détermination de la chaleur de combustion de l'acide benzoïque, le premier problème. Le deuxième, l'enthalpie, l'entropie et l'enthalpie libre molaire du monoxyde de carbone. Le troisième, les grandeurs thermodynamiques standards de formation de chlorure d'hydrogène. Le quatrième, la température de flamme. Le cinquième, la pression d'explosion. Le sixième, les enthalpies réticulaires des cristaux ioniques. Le septième, l'échelle d'acidité relative en phase gazeuse et l'échelle d'acidité absolue et l'accès à des données thermodynamiques. Donc cette échelle donc, est déterminée par spectromètre de masse. Le deuxième chapitre, donc les potentiels chimiques et les systèmes binaires, l'étude thermodynamique de l'iodoéthane, la solution idéale toluène-orthoxylène, la détermination du diagramme isotherme du binaire hydrogène-oxygène et du diagramme isobare-benzène-n-pentane. Le quatrième problème, les liquides miscibles et non miscibles, pression de vapeur saturante. Le cinquième, l'étude thermodynamique du binaire de sulfure de carbone et de propanone. Le sixième, le diagramme de cristallisation et les courbes d'analyse thermique simple et d'analyse thermique différentielle. L'étude de système du benzène diphényl et l'utilisation du diagramme isobare de cristallisation. La construction du diagramme de cristallisation d'une solution solide. La récolte de chlorure du sodium. La détermination expérimentale des volumes molaires partiels. Et l'étude des solutions régulières de Hildebrand. Donc le potentiel chimique et l'introduction à la notion de l'affinité chimique et l'évolution spontanée d'un système. Donc l'affinité chimique du carbone graphite, le premier problème. Le deuxième, l'évolution spontanée d'un système chimique. Le sirop de sucre et le sorbet. Chapitre 4, plutôt le problème 4, l'eau de mer donc, et sa température d'ébullition. La cryométrie comme méthode de détermination de la masse molaire, l'influence simultanée de la pression et de la température sur un équilibre hétérogène, l'osmométrie comme méthode également de détermination des masses molaires. Pour le chapitre 4, les équilibres. Donc, la première partie, les équilibres homogènes, estérification hydrolyse, l'équilibre de formation de l'oxyde d'azote, oxydation de l'oxyde de soufre en trioxyde de soufre, la dissociation thermique de l'ammoniac et l'évolution d'un équilibre isocore, c'est-à-dire à volume constant. Les équilibres hétérogènes, l'ammoniac A4 de chlorure d'argent solide, les couples fer-oxyde de fer et nickel-oxyde de nickel, les couples de fer, l'addition du monoxyde de carbone au mélange oxyde de magnésium et oxyde de calcium, l'oxydation du fer par le dioxyde de carbone, l'équilibre de Baudoir et la réduction de l'oxyde de fer par le monoxyde de carbone. Les équilibres et les variations de fonction d'état, donc pour la dissociation thermique de l'eau, pour la combustion du mélange eau hydrogène, plutôt hydrogène-oxygène, la mesure des grandeurs de réaction, l'étude de la dissolution du sulfate de calcium. Le chapitre, bien sûr, 5, les piles, les grandeurs de réaction associées à une pile, et le bilan thermodynamique d'une pile d'Daniel. Et le chapitre 6 donc, englobe des problèmes récapitulatifs. Problème 1, la synthèse de l'ammoniac. Problème 2, réduction des oxydes de fer. Et le problème M3, synthèse du méthanol. Donc c'est un ouvrage fort intéressant. Donc il contient beaucoup de données thermodynamiques.
donc, qui sont extraites d'ouvrages spécialisés. Quelques extraits de l'ouvrage. Donc, c'est un ouvrage fort intéressant pour les classes préparatoires et pour le premier cycle universitaire physique, chimie et sciences de la matière. Donc, voilà quelques extraits de cet ouvrage et de ce recueil de problèmes et d'exercices de thermodynamique chimique de Jacques Mesplède et Beignet. Des solutions détaillées des exercices, ici courbe de cristallisation, courbe d'analyse thermique. Donc, quelques extraits, un aperçu donc sur cet ouvrage fort intéressant et fort important pour la préparation des examens du premier cycle universitaire physique-chimie ainsi que les et classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs. Tension expérimentale des volumes molaires partiels, c'est le chapitre 3, toujours avec le chapitre 3, toujours le chapitre 3. Influence simultanée de la pression et de la température sur un équilibre hétérogène. Donc des problèmes très variés avec une solution très détaillée. Chapitre 4, ici donc. Les équilibres hétérogènes. Donc, le chapitre 5. Équilibre de Woodward. Combustion du mélange hydrogène-oxygène. Les solutions binaires, les mélanges, les tout. Les problèmes de la thermodynamique chimique sont développés dans cet ouvrage fort intéressant. La dissolution de sulfate, bien sûr, du calcium, donc l'équilibre ionique de dissolution, et le chapitre des piles sur la formule de Nernst, l'équation fondamentale de la thermodynamique chimique, ainsi que les problèmes récapitulatifs, synthèse de l'ammoniac. La réduction des oxydes de fer, vous voyez donc des solutions très détaillées pour une meilleure compréhension bien sûr de la thermodynamique chimique. Et le dernier problème, la synthèse de méthanol. Donc nous arrivons à la fin de cet ouvrage fort intéressant de Jacques Mesplède et Beignet, Jean-Pierre Beignet. Merci de votre attention et soyez au rendez-vous pour un autre ouvrage. Et n'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner dans notre chaîne. Merci et à bientôt.